Yo tout le monde, c'est Johan Football, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un nouveau match de Ligue des Champions. Cette fois, c'est Bruges contre l'AS Monaco. Voilà, j'espère que Monaco va se réveiller grâce à l'entraîneur, voilà, un nouveau entraîneur. Vous le connaissez, voilà, c'est Thierry Henry, voilà, champion du monde, qui rejoint l'AS Monaco. J'espère que ça va faire du grand bien pour l'AS Monaco. Moi, j'espère pour eux parce qu'ils sont en bas de tableau. Je sais pas, j'ai pas l'habitude d'avoir Monaco en bas de tableau. Ça fait bizarre. Voilà, moi j'espère qu'ils augmentera, qu'ils vont tout en haut du classement et qu'ils restent pas en bas parce que j'espère que ça va monter. Bon, ça a déjà pas commencé, ça a déjà mal commencé pour Thierry Henry contre Strasbourg. Ils avaient perdu 2-0 et carrément. Carton rouge, c'était son premier match, mais il a quand même carton rouge et il perd 2-0. Il a quand même eu la totale. Alors, excuse-moi, je bois un coup. Et on est parti pour les gestions d'équipe. Pour moi, j'ai déjà fait les gestions d'équipe. Voilà, alors au Bruges, je connais pas du tout, mais j'ai laissé la gestion d'équipe là. Et monsieur l'AS Monaco, j'ai mis voilà Falcao, Golovin, Chadli, Tielemans, Lopez, Grandsir. Pour moi, j'espère que ça va être la compétition. Moi j'ai pas la conclusion exacte de l'AS Monaco, mais j'espère que ça sera ça. Et on est parti pour les petits entraînements avant le match de Ligue des Champions. Voilà. J'ai pas encore testé tous les gestes techniques. Tous les défis techniques, excusez-moi. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, merci de suivre ce match avec nous. Première journée. Voilà, le match entre Bruges et Monaco. Ouais, bonjour à tous. Ça va être un match, un gros match. J'espère. À beaucoup d'action et de frappes, de tirs. Voilà, peut-être la musique de la Ligue des Champions. Ah, je redis, c'est le nouveau mode de FIFA 19, Ligue des Champions, c'est vrai que ça fait plaisir, on attendait ça. Voilà, on a déjà eu l'affichage Ligue 1, l'Europa League, Ligue des Champions, c'est pas mal. Je pense que c'est la musique de la Ligue des Champions. Je vais vous mettre un peu plus fort. S'il y a des supports monégasques, main sur le cœur. Et allez Monaco. Je suis français, j'espère que Monaco iront beaucoup plus loin à la phase de groupe et en Ligue des Champions. Et j'espère qu'ils gagnent ce match pour avoir 3 points. Oh, elle est magnifique cette musique. Avec le drapeau qui bouge. Champion! Voilà, la petite musique est sympa. Entre cette Ligue des Champions. C'est vrai que Bruges avait gagné une Ligue des Champions. Il est la petite étoile. Les plus belles, les plus passionnantes, là où il y a le plus beau suspense. Ah, Falcao, il va jouer. Moi, j'ai pas mis Subasic parce que j'ai vu qu'il fait beaucoup jouer Benaglio. Bon, je sais Benaglio. Après, je sais pas si ça va être ça. Ah, ça va être la composition d'équipe de Bruges. Moi, je connais pas du tout. Alors, l'animation tactique. J'espère de. On trouve vite, je pense pas lui. Non, je connais pas du tout. Tchadjouma, Grovold. Oh, il va avoir du mal. Oh, 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 oh. Et l'action de Monaco, voilà, je connais un peu beaucoup mieux. Voilà. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire. Elle est quand même bien faite l'affichage. Un 4-2-3-1, moi j'espère que ça ira bien pour l'AS Monaco, mais je sais qu'il joue beaucoup en ça. Alors, c'est pas moi qui joue le match, parce que si je joue cette Monaco, ça va être trop facile pour moi. Alors maintenant je laisse, moi je commente le match, moi c'est ce que je veux faire. Et voilà, et on est parti pour le match. Et c'est parti, je dis, allez Monaco, allez Bruges aussi. Allez, et c'est parti pour le match. Et on est parti pour le ballon pour les joueurs de Bruges. Venaken. Ritz. J'ai parti Henri. Warmer. Bonne anticipation sur cette interception. Qui gagnera son match de Ligue des Champions. Antonio Barreca. Le ballon a été dévié. Ah,
Alors, avec Vormer. Vormer, Vlettings, Schreuder, Poulin, Vormer. Ah, ça joue bien dans l'équipe de Bruges. Attention, faut qu'il fasse attention les monégasques. Attention, il joue bien la frappe et la reprise. La reprise d'un joueur de Bruges et l'arrêt de Benaglio. Oh, quel arrêt magnifique de Benaglio! Très très bien joué. Et c'est... Oh, attention, le corner. Passement de jambe d'un joueur de Bruges. La tête de Falcao pour Golovin. Oh, Golovin, il accélère. Ah, repris par Michel. Allez, c'est repris. Oh là là, la balle profonde pour Radamel Falcao. Radamel Falcao qui va pas jusqu'au bout. C'est une interception. Oh, bien repris. Lopez. Oh, attention, c'est contré. Oh là là, le corner. Corner pour l'AS Monaco. L'AS Monaco. Allez, peut-être un but. Non. Ah, c'est bien joué. C'était très bien joué la frappe de Ronny Lopez. C'était contré. Attends, peut-être une deuxième chance. Ah, le petit hors-jeu. L'arbitre assistant a signé hors-jeu. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Actuellement, un des joueurs les plus importants. Avec Grandsir. Golovin. Grandsir. Ah, s'il y a des petites coupures, excusez-moi, parce qu'il y a des petits problèmes, je sais pas quoi, l'internet, je pense que. Excusez-moi. Allez, on reparti pour le match. Allez. La passe profonde pour Vormer. Vormer. Poulain. Vanaken. Poulain. Vanaken. Vormer. Ça joue très bien. Et non, la mauvaise passe. Et c'est reparti pour l'AS Monaco. Ça peut passer en haut. Avec Tielmans. Et la passe pour Lopez. Alex Dibé. Ouah, c'est très bien joué avec Golovin. Ah, il peut pas trop garder la balle, ça. Okay. Il défend bien le joueur de Bruges. Vanaken. Djadjouma. Je vais l'appeler Djadjouma, c'est beaucoup plus facile. Attention, il garde bien le ballon pour Vanaken. Il a du soutien autour de lui, c'est bien. Quelle belle passe pour Djadjouma. Et c'est le corner. Non, c'est leur jeu. L'arbitre assistant a re-signé hors-jeu pour le joueur. La tête est pas très bien fait. Leading. Le centre à la tête de Glick. Attention, Ritz. Il peut frapper, il passe à Djadjouma. Ritz. Allez, il faut centrer. Vanaken, Ritz. Ah, bien repris par Jameson. Allez, le contre. Je pense. Golovin. Allez, c'est pas parti en profondeur pour grandir. Très très belle passe. Allez, dans le couloir. Feinte. La cherche de ligne. Oui, le centre, peut-être le corner. Et c'est le corner. Corner. Bien joué Chadli et le corner. Tu avais pas Lopez. Ah, ouh lolo. Mais c'est vrai que le corner Monaco, Monaco là, ils sont bizarres là. Vlettink. Vormer. Vanaken. Ils font tourner en attendant une brèche. Schreuder. Oh, attention, Vanaken. Vormer qui peut frapper. Oh là là, quel tir de l'attaquant. J'ai peur de Wesley. Ouais, elle passe à côté, mais moi j'ai cru qu'elle était dans le but. C'était très bien joué de tes joueurs de Bruges. Tielmans avec Lopez. Tielmans. Attention, ça peut partir pour vendeur. Falcao. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. Ouais, il veut... hey, on me saoule avec l'internet là. Oh, la mauvaise passe, il l'a pas regardé où il a. Excusez-moi. Oh là. Elle me le refait. Hein. Allez, sur la frappe, oh le but. Oh le but. Le but de Ronny Lopez. Col, 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 col. But pour Ronny Lopez. 1-0 pour la Monaco. Ah, je suis en train de débrancher mon câble là. Parce qu'il y a des gros problèmes d'internet là, je sais pas ce que j'ai eu là. Oh là là, frappe de. Quelle frappe magnifique de Ronny Lopez. Goal! Ronny Lopez!
Et c'est le 1-0. Ou Thierry Henry qui commence bien. Et le 1-0. Ronnie Lopez. Ouh là là, c'était très bien joué de Ronnie Lopez. Quelle belle frappe. Et c'est reparti. Il faut mettre à 2-0 pour être à l'abri. Et ils sont chauds, l'AS Monaco. Et c'est ça qu'on aime. Voilà, c'est très bien joué. Barreca. Grand tir. Là, ils sont dans le match, Monaco. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Ah, belle passe, former. Wesley. Écrit. Schroeder, former, Vonaken, attention. Ça défend pas bien. Bon du côté de l'AS Monaco, la tête. Oh là là, mais quel arrêt de Benaglio. Lui aussi, il a fond dans son match. Il a pas envie de se prendre un but. Il a envie que ses coéquipiers mettent un deuxième but pour être à l'abri. C'est vrai que je le comprends. Ouais, s'ils font des mauvaises passes Bruges, alors il faut en profiter. Mais c'est la mi-temps. Mi-temps dans ce match. 1-0. Voilà. On a déjà une... Voilà, le 1-0, on a déjà un but. Je suis content dans ce match. But de Ronnie Lopez. Très beau but. Il a frappé. Avec quand même 3 tirs cadrés Bruges, 4 tirs, 2 tirs pour l'AS Monaco et 1 tir cadré pour l'AS Monaco. Ah, c'est pas trop grave, mais ça va, il gagne. Après, j'espère qu'il y a plus de tirs. On verra ce que Thierry Henry va dire pour l'AS Monaco pour son premier match en Ligue des Champions. Et que l'entraîneur de Bruges peut-être va dire à ses joueurs de se réveiller, je pense. Ah, j'espère pour eux. Et on est parti pour le match pour Bruges et Monaco. On espère une très belle deuxième mi-temps, un peu plus de frappe et peut-être d'autres buts. Pour l'AS Monaco ou de Bruges, j'espère pour eux. Et on est parti. Et je vous dis, let's go! Et la balle pour l'AS Monaco avec Tielemans. Sidibé. Tielemans. Chadli. Repris par Schreiber. Vlitink. Warmer. Vanaken. Tenchville. La passe de Tielemans. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Ah, mauvaise passe de Tielemans. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Prépare Dinsville. Former. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Ah, c'est vrai qu'il a signé une bonne première période. C'est le buteur de dans ce match. C'est vrai qu'il joue très très bien. C'est un bon joueur. Je suis content pour lui. Juste avant la mi-temps. Sur l'accélération de Djajouma, l'accélération, il garde bien l'avance, Sidibé, attention. Oh là là, le centre et la tête de Glick. Très très bien joué, tes deux joueurs. C'était très bien tu. Oh, attention, la passe. Oh là là, l'arrêt de Benaglio. Quel arrêt de Benaglio, super, bien joué. Elle est rentrée de Cole, c'est la sortie de Vlinkink. Et à rentrée de Aoulu, la sortie de Chadli. Attention, Schreiber. Le centre, la tête. La tête, la reprise. Corner, re-corner pour Bruges. Et Bruges, ils veulent mettre le but. Ils veulent mettre le but. Peut-être sur cette action-là, la tête. Pour écarter le danger. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Avec Jamerson. Sidibé, Jamerson. Jamerson, ça joue en passe. En défense. Et j'ai vu, c'est pas moi qui fais le changement. C'est pas moi qui joue. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Oh, attention, attention, ça va jouer, ça va jouer. Pour Bruges, attention, il y a des gens qui partent. École. Wesmer, la frappe, oh là là. Oh, mais l'arrêt. Mais heureusement qu'il est là, Benaglio. C'est qu'il est grand, mais il fait de très belles arrêts. Très bien joué, l'arrêt de Nakamba, la sortie de Vormer. L'arrêt, les points de Benaglio. Oh, mais vraiment, ce gardien fait un très bon match. Moi, je fais encore. Parce qu'à la 90 minutes, il fait comme ça, pour moi, ce serait l'homme du match. Son Coles. Attention, il faut bien défendre, Coles. Chest technique de Vanaken. Coles. Le centre, attention, la tête. Oh là là, le dégagement qui est risqué de Golovin. Faut redégager, bien joué.
mais le danger est écarté. Quel main. Oh là là, c'est dangereux. Qu'est-ce que c'est dangereux. Et ça va, ils s'en sortent tout bien, hélas, Monaco. Ah, oh lui. Falcao. Falcao, grand tir. La passe est interceptée. Ah, faut pas faire des mauvaises passes comme ça. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Jemerson. Direct Sidibé. Aoulu, Sidibé, Aoulu, Jemerson. Ça joue en passe pour la défense. Ça cherche des solutions. Ils veulent marquer le deuxième but. J'espère pour eux. Lopez. Lopez qui concède le corner pour. Et la sortie de Wesley. Allez, l'entraîneur qui corner pour l'AS Monaco, la rentrée de Vossen. Attention, Lopez. Allez, voilà, là ça va frapper. Tête la tête, le dégagement. Clic. La frappe n'était pas très dangereuse. La frappe. Ça peut partir à Ramadel Falcao. Il reste 10 minutes dans le temps. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Ces deux équipes. Il ne reste plus que 9 minutes à jouer avant cette partie. Le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe. Rien n'est perdu, Pierre. Coles, Van Aken, Ritz. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. 7 minutes. Attention. Coles, Coles qui frappe. Oh là là. Oh, le raté de Coles. Et la sortie de Barreca à la rentrée de Radji. Oh là là, mais c'est quoi cette frappe? Heureusement qu'il l'a raté. Oh, attention, ça c'est dangereux. Ah, c'est vraiment dangereux. Là, ça va être dangereux. Ces 5 dernières minutes pour l'AS Monaco. Tadjouma. Et repris par Lopez. Mais vraiment, la frappe était dangereuse. Était dangereuse. Il est un petit peu cerné là. C'est dévié, ce sera une touche. Benzville. Voilà, bien repris. Allez, il reste 3 minutes. Il faut jouer. Il faut aller dans l'autre côté. Aoulu. Grand tir. Grand tir. Oh, petite feinte. Très très bien joué. Ça joue bien. Ça joue bien. Oh là là, mauvaise passe. C'est Radji ou pas? Ouais, je pense que c'est. Ouais, c'est Radji. C'était Radji. Allez, Rit. Il reste 2 minutes. Attention, ça va aller. Minute, ça va aller vite. Est-ce que ça met 8 heures pour l'AS Monaco? Oui, ils vont égaliser. Et c'est la victoire pour l'AS Monaco! Victoire pour l'AS Monaco! Grâce à ce joueur, Ronnie Lopez, qui nous a lavé la chaîne frappe. Très très bien joué pour ce joueur. Je vais vous montrer ce but de Ronnie Lopez. Voilà, frappe qui nous a lâché. Très très bien joué pour ce joueur. Ça fait plaisir pour l'AS Monaco. Il gagne le match. Pour moi, ça me fait plaisir. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin du match. Avant que la vidéo se termine, n'hésitez pas à liker comme d'habitude. J'ai un maximum de likes dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. J'en ai passé les 70 abonnés. Merci encore aux 61 abonnés. Ça me fait tellement plaisir. Voilà, j'espère qu'on en augmentera encore beaucoup plus. Voilà, maintenant je vais atteindre les 70, les barres d'à 70 abonnés, ça ferait tellement plaisir. Partagez aux réseaux sociaux, à vos amis, à vos potes, à vos amis, à votre copine, je sais pas à qui, mais à ceux-là qui aiment le foot. Mais n'hésitez pas à partager et à commenter, ça me ferait plaisir le match là. Et je vous dis à un prochain match. Et je vous dis goal, ciao ciao.